340 chevaux. Oh putain, mais c'est pas possible. Eh, hey, Jauvergne, Jauvergne, on t'a vu, hein. Eh, hey, madame. Oui. Ah oui, non, mais ça, c'était sûr, ça. Tiens, est-ce qu'on retournerait pas sur Flight Simulator? Non, mais c'est pas vrai. Mais ils les enchaînent. Mais ils savent pas rouler. Mais c'est un truc de fou. Oh là là, il faut me bloquer la route. Il faut me bloquer la route. Oh oui, là, c'est extrême. Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Regardez ce beau temps comme c'est magnifique. Aujourd'hui on est à Melan sur Grand Utopia bien sûr. Je suis à pied puisque je vais rentrer dans mon véhicule, ma première voiture bien sûr. J'ai vu vos commentaires sur les précédentes vidéos. Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir mon bolide? 3, 2, 1, boum! Wouhou! C'est une... Elle est trop belle, elle est trop belle. BMW 1ME82, j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur ce véhicule. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette voiture. A la base, j'avais prévu une Ford Mustang. Voilà, c'était ça que j'avais prévu à la base, une Mustang. La voiture finalement que tout le monde aimerait en soi avoir parce que ça, c'est trop la classe. Alors pourquoi? Tout simplement, il y avait un super mode avec la Ford Mustang. C'était une GT d'ailleurs standard, hein, classique, mais super belle. Le problème, c'est que le volant ne tournait pas et c'était pas réaliste. Donc du coup, je me suis rapatrié sur d'autres véhicules et je suis tombé sur cette BMW bien sympa, super belle, avec un super beau bruit. Je vais profiter qu'il n'y ait personne pour vite rentrer, hop, dans la voiture. Ok, on est nickel. Regardez un petit peu l'intérieur comme c'est beau. Alors, j'ai mon sac, j'ai mon cool bag, voilà le réfrigérateur pour pouvoir, eh bien, mettre tout ça dans mon camion puisqu'on va aller aujourd'hui. Donc là on est à Melan, hein, juste ici, on est déjà passé par là. On va traverser Melan pour profiter un peu de la voiture, du front de mer. Et on va se rendre à Krautergersheim, à l'entrepôt M Company. On va essayer de prendre le point d'interrogation qu'on n'a jamais réussi à prendre jusqu'ici en camion. Voilà, on va faire ce petit trajet pour prendre eh bien, une livraison en camion tout simplement. Alors écoutez maintenant les amis, on va démarrer le moteur. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Alors on va pouvoir partir. Hop, je vais repasser devant parce que là, attention le trottoir. Ok, faut juste que j'aille à gauche. En plus les rétroviseurs fonctionnent bien. Le problème avec ah bah il y avait une autre Mustang. Alors, le problème, vous voyez, avec les autres bah avec la Mustang justement que j'avais, pareil les rétroviseurs c'était vraiment mal fait. Donc là ce mode je le mettrai en description bien sûr, hein, ça y est vous avez vu, je fais l'effort pour vous les amis de mettre la liste des modes en description. Je pense que c'est quand même la moindre des choses maintenant pour vous remercier pour votre fidélité. Donc voilà, le mode sera en description. L'auteur de cette BMW c'est TRZ Pro. Et en plus TRZ Pro il est vraiment connu pour le coup pour faire des superbes voitures. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je veux un mode voiture, généralement c'est chez TRZ Pro que je me retrouve à télécharger les voitures. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, niveau accélération, attendez, je vais passer avec les palettes. Parce que c'est un véhicule manuel normalement. Hein. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, la reprise elle est pas folle. Alors après, c'est le jeu, hein. Attendez. Ouais non, on pourra pas faire les accélérations comme en vrai, ça c'est bien dommage. Bon, là on va passer à gauche. Je sais pas comment ça se passe, intersection. Hop, oh il y a une voiture qui arrive derrière moi en plus. Ok, je suis prioritaire, excusez-moi messieurs dames. Du coup je me suis un petit peu renseigné sur la voiture et regardez comme c'est chouette, comme c'est joli là. Là voilà, c'est une autre façon de voir Euro Truck en voiture, c'est vrai. Et comme vous l'avez suggéré, donc en... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, j'avais pas vu que c'était comme ça. Oh là là, c'est super dangereux. Il me laisse passer. Merci. C'est ultra dangereux. C'est quoi ces intersections? D'ailleurs, c'est vrai, en parlant d'intersections, dans une des dernières vidéos, il y avait une intersection très bizarre avec un rond-point et une route au milieu, un truc comme ça. Et vous avez dit que ça existait en vrai, mais que généralement, c'est plutôt pour les voies de bus. Alors, c'est quand même beaucoup plus cohérent, évidemment. Mais par contre, pour le trafic général, c'est un petit peu débile, je trouve. Mais voilà, donc merci en tout cas de m'avoir appris ça. Je m'égare dans tous les sens parce que j'ai plein de choses à dire, je suis trop excité. Voilà, oui, donc je disais, comme vous l'avez suggéré, ben, c'était l'idée que j'avais, c'est qu'en gros, on va aller à notre entrepôt en voiture. Bien sûr, on va continuer de rouler en camion, bien sûr. Ce ne sera pas tous les jours qu'on va faire de la voiture, mais voilà, ça permet d'avoir des petites sessions voiture.
Et puis de manière RP quoi, on va quand même continuer de rouler en camion par la suite. Donc voilà, hop, je me suis remis en automatique. Niveau Axel, ça va en vrai, hein. Après sur le jeu c'est pas pareil. Hop. Bon, j'ai les distances de sécurité comme en camion, hein, mais c'est pas bien grave. Alors, elle fait 400 chevaux dans le jeu. Attention, dans le jeu, je me suis renseigné, apparemment dans la vraie vie, c'est plutôt 340 chevaux. Oh putain, mais c'est pas possible. Eh, hey, Jauvergne, Jauvergne, on t'a vu, hein. On t'a vu, Jauvergne. On t'a vu. Je vais appeler le patron. Oh là là, il galère, hein. Il galère quand même bien plus que moi. Donc ouais, plutôt 340 chevaux dans la vraie vie. La voiture, je crois, elle date de 2011, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même plutôt, plutôt pas mal. Donc 24 chevaux fiscaux. Et elle fait un 9 litres au 100, 9,6 litres au 100. Franchement, ça va. Parce que, enfin, je sais pas, moi je m'y connais pas, mais pour du 340 chevaux, ça va. C'est quand même pas mal. Parce que moi, ma voiture dans la vraie vie, elle fait quoi? 130 chevaux. Eh ben elle fait quand même du 6 litres au 100. Après c'est une vieille voiture aussi, c'est sûr. Alors voilà, je suis pas fier mais c'est comme ça. Oh putain, oh par contre ça freine bien. Oh purée de pommes de terre, ça freine bien. Mais ouais, je trouve que ça va, hein. Je trouve que ça va. Alors en termes de classe énergétique, je crois que c'est pas terrible évidemment, mais eh, franchement elle est quand même plutôt pas mal, la BM. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. La vue extérieure bien sûr. Regardez comme c'est mignon, comme c'est joli. Bon, j'ai rajouté des petites LED à l'avant. C'est un peu illégal les LED que vous voyez au niveau des plaques d'immatriculation. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien, elle est bien jolie. C'est assez chouette. On fera conduire Arthur un petit peu avec, je pense, pour voir ce qu'il en pense. Hop. Accélération. Oh purée. Et en vrai, non, non, en vrai c'est pas mal. La reprise elle est pas terrible sur le jeu, mais pour les accélérations, le 0 à 60, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça nous permet voilà, de prendre des petites routes qu'on n'aurait pas forcément pris en camion. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Là on va un petit peu se faire plaisir. On va un petit peu rouler. Alors là on va faire gaffe. L'idée quand même. Et on rappelle que le but c'est d'éviter de perdre de l'argent, hein. Là j'avais le pied au plancher. Vous voyez la reprise elle est pas terrible. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. Et le bruit il est vraiment pas mal. J'ai vu que dans la vraie vie apparemment le bruit il est pas si fou que ça, d'après les avis, hein. Et que c'est un faux moteur sport. Donc n'hésitez pas les connaisseurs à me dire. À ce qui paraît c'est pas vraiment du... c'est pas vraiment de la vraie sportive quoi. Mais ouais, c'est toujours mieux que ma voiture. Est-ce que je tente un truc là? Est-ce qu'on tente un truc? Est-ce qu'on est des petits fifous ou pas? Ouais non, peut-être pas, il y a beaucoup de camions en face. Et soyons respectueux, on est des routiers quand même, hein. On est les premiers à se plaindre des autres. Alors on va quand même on va quand même essayer de rester cohérent, hein. On essaye. Ça va. Ça accélère bien en vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on a fait ça dans le respect des règles de l'art en vrai, hein. Madame elle tremble, hein. Ah je lui ai fait... Elle a paniqué. Elle a fait pipi culotte. Ah bah voilà, je l'ai fait mouiller finalement. Bon bref, bonsoir à tous. Bienvenue si vous me rejoignez. Comment ça va? Bon j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas j'espère que vous kiffez toujours autant les vidéos. Parce que oui j'ai vu vos retours. Mais des vidéos de deux vidéos de cela en fait. Donc une semaine, j'ai une semaine d'avance en fait. Comme vous le savez, il y a pas mal de vidéos qui sont tournées à l'avance. Et donc du coup bah, j'espère que vous kiffez vous avez kiffé les deux dernières vidéos et que vous kiffez toujours autant mes vidéos sur Euro Truck. Je vous remercie en tout cas pour vos commentaires sur les précédentes vidéos. Ça m'a fait trop plaisir. Hop là, je roule un peu sur l'herbe. Également voilà vos retours sur voilà, les 50 000 abonnés. Franchement quel plaisir, merci infiniment les gars. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Allez, on a une double voie. Il faut que ça tourne par contre. Oh là 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 là, j'ai un petit peu perdu le contrôle. Terrible. Ah, je roule pas comme ça dans la vraie vie, je vous rassure. On est à 150 là, hein. 150. On va lâcher un peu la pédale. Parce qu'on n'a pas l'impression d'aller si vite. Et on n'a pas l'impression, on est à 150 quand même, hein. Oh, regardez comme c'est beau. Bon, cette vitesse, faut pas trop regarder à droite, mais... Ok, on est à 200 km/h, maintenant on va se calmer. Oh purée. Oh purée. Ça c'est le genre de connard sur la route, hein. J'en suis désolé, ce que je viens de proposer. Voilà, on va se calmer. La tenue de route elle est pas terrible, hein. Pas terrible. Hop là. Et on se calme, on se détend, on s'est fait un petit kiff. Voilà, c'est un petit peu... Je m'appelle Inoxtag, je suis avec GMK. C'est aberrant frérot.
C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Allez, on arrive au niveau de Krauterriersheim. Mais il y a des travaux partout, hein, c'est un truc de fou. Ça y est, je suis enfin passé sur la bonne version de Grand Utopia. Donc sur la toute dernière mise à jour. Parce que toutes les précédentes vidéos, j'étais encore sur la bêta comme un connard. Allez, c'est parti. C'est pas bien ce que je fais, hein. C'est pas bien, mais il a très bien compris. Donc c'est gentil de sa part de pas s'être engagé devant moi. Il y a plein de types de petits chemins en pointillés, je pense qu'on peut explorer. Le problème c'est que là je vais tellement vite qu'on n'a pas trop l'occasion. Alors, on va essayer de choper le point d'interrogation. On peut pas tourner à droite ici, c'est un sens unique totalement. Mais si on peut tourner à droite, non. Pourquoi? Mais attendez, pourquoi il y avait le panneau dans notre direction? Je sais pas, on va faire le tour, ça va être très rapide. Voilà, ça va nous permettre de prendre les petites ruelles qu'on peut pas trop prendre en camion. Enfin, on peut les prendre en camion, mais pas avec une remorque. Donc on va se le faire. Hop. C'est super chouette. C'est super chouette de rouler en voiture. Je comprends mieux maintenant le plaisir que certains ont. Hop. Ok, franchement ça passe, mais sans problème. Là on fait bien du bruit dans les ruelles. Hé hey, madame. Concessionnaire man. Ok, c'est un concessionnaire man qui a été découvert ici, juste là. Très bien. Alors, c'est vraiment chouette. Et donc là on va reprendre à droite. Pas ici. En soi je pourrais. Ah non, attends. On a déjà exploré la route là. Hop là, je monte sur le trottoir, c'est pas grave. Ah non, on a pas le droit de tourner à droite là. Oh non, j'ai trop le seum. Oh, je m'en fous pas les couilles, hein. Je m'en bats les couilles, je suis une voiture. Hop. Je m'en bats les steaks, je fais demi-tour moi. Bon, dans tous les cas c'est interdit mais... Hop là, ni vu ni connu. Allez. On fait les 24 heures du Mans ou quoi? Et alors là? What? Mais pourquoi la flèche elle nous dit d'aller à gauche? Attends. Ah bah voilà, donc j'avais le droit de tourner là. Le GPS il est débile. D'accord, j'avais le droit de tourner ici en fait. Bon c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, on marque le stop, on voit rien du tout, on y va. Oh purée. Wouhouhouhou. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ça drift. Ah, apparemment, c'est une voiture de drift aussi. Bon, après, les BMW, on connaît, quoi, mais... Ah, c'est chouette. Faudra essayer de drifter. Attendez, j'essaie un truc. Ouais. C'était pas terrible. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre le frein à main avec une BM. Bref, on est arrivé à l'entrepôt. Moi, je vais aller rejoindre mon camion parce que mon camion, il m'attend derrière. Et je vous retrouve juste après, les amis. A tout de suite. Ouais, ça marche. Donc, des emballages plastiques vers le bas. Ça marche, pas de soucis. Bah, bon courage, bonne journée, frérot. Allez, du coup, notre camion, on a fait un petit peu tourner le moteur. On a fait chauffer tout le bordel. On va pouvoir rentrer dedans. Donc, de retour dans le camion, le XF Euro 5 460, bien sûr. Hop, là, on rentre dedans et on va directement... prendre notre remorque. Hop, on met les warnings quand même, même s'il y a personne à cette heure-là. Alors attendez, c'est laquelle la mienne que je dois prendre? Hop là. Oh. Eh mais c'est que je suis plutôt pas mal là. C'est que je suis plutôt pas mal, regardez ça. Hop. Et voilà. On a-t-elle? Ah, j'aurais pu encore reculer. J'aurais pu encore reculer, à chaque fois j'ose pas aller trop loin. Et en fait c'est plutôt pas mal. Donc les amis, nous sommes bien à Krauterriersheim. On va prendre la 6. Non, pas du tout, vous inquiétez pas, on va passer en dessous de la 6. Alors ce début de trajet on le connaît, donc je vais vous l'épargner. Et puis après on va arriver ici à cette bifurcation. Et on va aller à Ménil les Libercourt, donc la route iconique de Mkolo d'ailleurs. Pour la petite parenthèse, c'est très narcissique mais ça fait plaisir. Et on va livrer ici des emballages Plastoc, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, allez c'est parti les amis. Je vais quand même vous mettre le début du trajet parce que on vient quand même de rouler en voiture et que là maintenant les sensations sont folles. Ah, c'est incroyable! Ça change tellement. Ça change tellement le feeling. Bon, attendez parce qu'on n'est pas encore sur la route mais. Ah ouais, déjà là. On tourne pas trop vite. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font les collègues là? Ah ok, c'est bon, c'est la surveillance. Ah, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon, les amis! N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr, si cette vidéo vous plaît. Le petit commentaire qui fait plaisir, j'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous me découvrez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et hop là, c'est parti!
Hop là, on sort de cet enfer. J'espère que les petites cinématiques vous ont plu. Oh, il reste à l'arrêt pour moi. Incroyable. Merci. Merci, merci, c'est top ça. Le dépanneur là, super sympa derrière. Attendez, je vais lui mettre un petit coup de warning. Ah, c'est super sympa. Enfin, oui, je suis con, normalement c'est droite-gauche. Mais bon, bref, on s'est compris. Ah les amis, très sympa cette petite, petite balade. Bon, même si pour le moment, c'est un chemin que je connais déjà. Là, pareil, il y a un chemin à gauche là. Un petit chemin à mon avis en pointier qui doit relier à la D24 peut-être, je sais pas. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais c'est des routes à explorer probablement en voiture, ça peut être sympa. Même peut-être même en 4x4, ça peut être sympa. Bon, après, je vais pas acheter plein de voitures à fond les ballons, hein, les gars. On va rester de manière un peu... Alors, le plus réaliste possible, je vais quand même varier les voitures. Mais on se comprend. Mais dans tous les cas, les prochains véhicules que j'aimerais quand même acheter, ça reste des camions pour justement avoir des employés. Ça peut être quand même assez sympa. C'est toujours aussi joli ce petit étang là, ce petit lac. Ça va être un petit peu la galère. Il y a beaucoup de circulation, hein, vraiment. Vraiment. Il y a vraiment beaucoup de circulation par contre. Est-ce que ça va être envisageable de s'engager? Oh si, il y va. Excusez-moi. What? Oui. Ah oui, non mais ça c'était sûr ça. Non mais ça c'était sûr à 100%. Oh là. Eh, ils sont complètement fous. J'y vais. Ils sont complètement fous, il y a un accident, heureusement on va pas à gauche. Ah, route iconique de Mkolo. Ça m'étonne pas finalement la façon dont les gens roulent, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein. Non mais c'est un truc de fou. Le mec qui met son clignotant à droite, il va à gauche. C'était sûr à 100%. Il prend les plots. Alors après, c'est un bus. Donc, il a peut-être une autre façon de prendre. Bon, dans tous les cas, il a pris les plots. Voilà, d'accord. Et puis bon, il s'est pas pris qu'un plot, hein. Je suis mort. C'est un truc de fou. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bref, d'ailleurs, petite parenthèse concernant les décorations du camion. C'est vrai qu'on en avait parlé, hein, au fur et à mesure, le camion va être décoré. Alors ne vous inquiétez pas, il y a une petite surprise qui arrive. C'est juste que, ben, comme j'ai des vidéos quand même pas mal d'avance, et ben, ça peut prendre un peu plus de temps. Après, c'est pas grave, hein, c'est que de la décoration. Mais donc, sachez que en vue, il y a de la déco qui est prévue. Ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça, vous le savez. Ah, il y a une sorte de chemin à droite. Bon, ça me paraît un peu bizarre. On a une entreprise juste ici. La route iconique. C'est vraiment sympa. Encore merci my goodness, hein, même si maintenant ça fait bien plus d'un an, si je dis pas de bêtises, mais que cette route existe. Mais encore merci pour les nombreux clins d'œil que my goodness a pu faire à moi et également à Fox, hein, et à d'autres créateurs de contenu. Merci pour ça. Merci pour les exclus encore une fois. C'est vraiment un plaisir et c'est super chouette de pouvoir... faire des vidéos sur Grand Utopia, ça motive à fond quoi. Ça motive à fond et encore bravo pour tout le travail. Je le dis de manière solennelle. Et n'hésitez pas à évaluer ma conduite. Bon, après, dans cette vidéo, j'ai pas pu faire de grandes preuves. Puisque en voiture, j'ai fait un petit peu des folies. Mais voilà, sur cette route là, par exemple, avec la voiture, on aurait pu faire une belle pointe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un CD de passage. Très dangereux là comme ça. Il a pas été signalé en plus en amont. Aïe aïe aïe. Belle Peugeot 3008 devant nous. Alors vous voyez l'hélicoptère là sur le camion, et bah, ça va être dans le prochain épisode, on va piloter un hélicoptère. Après les voitures et les camions, ça va être l'hélicoptère. T'imagines piloter un hélicoptère sur Euro Truck? Bah, c'est Flight Simulator quoi. Tiens, est-ce qu'on retournerait pas sur Flight Simulator? Non mais c'est pas vrai, mais ils les enchaînent. Mais ils savent pas rouler. Mais c'est un truc de fou. Et pourtant on en fait pas beaucoup des kilomètres, hein. Non mais la route iconique de Mkolo, je vous le dis, elle est maudite. Non, recule pas. Oh putain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles. Bon, je vais reculer un peu. Une voiture derrière. Arrête-toi devant. Bon, on rappelle pourquoi ils sont comme ça sur cette route. Voilà. Oh, faut que je rajoute des motards de nouveau. Faut que j'ajoute de nouveau un mode avec les motards. Bien sûr, j'avais oublié. Ah oui, bah, prochain épisode, il y aura des motards. Parce que mine de rien, il fait froid. Il y a plus trop de neige, c'est plus trop l'hiver en vrai. Bon, sauf si comme par hasard, il va y avoir quelques moments de gel au moment où la vidéo va sortir, je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà, les motards sont de sortie. Les vrais motards, je parle. Moi, je fais déjà de la moto, de toute façon. Déjà depuis janvier, on fait de la moto là avec mon poteau.
poteau que j'embrasse. Donc voilà, on remettra des motos. Alors vous qui arrivez en sens inverse, bon courage parce que vous allez morfler hein, dans l'intersection, je vous le dis. Je préfère vous le dire à l'avance, mais vous allez morfler, vous allez prendre cher hein. Hop. Et on est sur Ménil les Libercourt bien sûr. Et on va prendre à l'intersection à droite. Ça va être un petit peu serré là. J'adore quand c'est serré. Oh là là. Ok, c'est bon. Nickel, nickel. Tout va bien. Super chouette ici. Et nous on livre. Oh putain. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ok super. Bon désolé j'ai pas pu retourner ma caméra. Donc j'ai fait une vue extérieure. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Non c'est pas possible. Comment je vais faire? C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est mathématiquement impossible. Alors si, en faisant ça, voilà. Non mais frère, oh, c'est un scandale. C'est un scandale. Cet entrepôt, c'est un scandale. Mais c'est pas possible. Et surtout, m'aidez pas la bande de connasses. Je peux pas aller à droite, je peux pas aller à gauche. Mais quoi? Non mais c'est juste pas possible. Ah voilà, pardon, je me suis peut-être un peu enflammé. Et là il faut que j'aille en marche arrière. Mais attends, mais c'était pas du tout ce qui était convenu dans, dans la manœuvre. Alors bon, là normalement ça peut le faire si je fais. Ah mais voilà, j'aurais pu passer par là. Non mais c'est une blague. Moi il fallait que je m'enfonce dans, Non mais même là ça passera pas. Hop là, le mur c'est pour moi, c'est lui qui régale hein. Putain mais c'est pas possible ce jeu de merde. Ok c'est bon. Ah bah si j'avais su. Même là je peux pas manœuvrer. Je peux pas manœuvrer. Je peux pas, il faut que j'aille sur la route. Alors attendez, ça y est je stresse. Je fais la reine de... C'est quoi les reines de l'autoroute? Non, les chauffeuses de l'extrême, je sais plus c'est quoi l'émission incroyable. Donc voilà on recule bien droit. Oh là là, il faut me bloquer la route. Il faut me bloquer la route. Oh oui là c'est extrême. Ah. Attendez, ça va être fort ennuyeux. Ça va être fort ennuyeux parce que ce que j'imaginais ne pourra pas fonctionner pour une simple et bonne raison qu'il n'y a pas de place. Allez, c'est bon, ça me saoule. Merci à tous. Bonsoir. Eh, professionnel, hein. Voilà, comme on dit, final. Excellent. Excellent. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Je suis au bout de... Ciao tout le monde.